Vous savez, le tabac, il est nocif. Le tabac, il est nocif autant pour l'individu qui l'utilise que pour son environnement. Le tabac est le principal facteur de survenue de plusieurs cancers, tels que le cancer du poumon, les cancers de l'œsophage, le cancer de la vessie et les cancers du haut appareil respiratoire. Le tabac, il a un coût qui est exorbitant pour la santé. Et d'autant plus lorsque l'exposition au tabac, elle a beaucoup duré. Vous avez réussi aujourd'hui à rester depuis 6 h du matin jusqu'à 19 h sans fumer. Ça veut dire que oui, vous le pouvez. Oui, vous pouvez arrêter de fumer. Oui, vous pouvez préserver votre santé. Oui, vous pouvez préserver votre poche, votre monnaie. Alors profitons du Ramadan pour essayer d'arrêter de fumer. C'est possible.